What's up, gens d'internet, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon Let's Play Faction sur Faction. On est bientôt rendu à 30 épisodes, je crois que celui-ci, est le 29e, si je me trompe pas, ou le 30e. Donc aujourd'hui, les amis, beaucoup de choses à faire. Donc, premièrement, je viens de recevoir un don de mon ami, QC Oz. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il nous a donné. Et je vais ensuite aller dans l'aine farmer des niveaux pour justement pouvoir... nous aider aussi. Ah, vous vous souvenez pas, on avait mis plein de trucs en vente aussi dans le HDV. On a réussi à vendre quand même beaucoup de ça. On est rendu à 3000 quelque chose. 3964, pas si mal. On a aussi... qu'est-ce qu'il nous a donné? C'est Full Pikachu 3 avec... quoi d'autre qu'il nous a donné? J'ai pas... oui, des deux épices, ça... Il nous a donné aussi, ça, on va le garder, on va faire un bloc. Donc ouais, il nous a donné plein de trucs vraiment stylés. Attends un instant, je vais juste faire un bloc comme ça, voilà, voilà. Il nous a donné plein de trucs, donc dans mon aussi, il m'a donné aussi tous les livres que vous voyez ici. Donc ça, je l'ai acheté dans le AH pour le mettre sur ces bottes-là, pour avoir des bonnes bottes, où on le mettra. Ah, excusez, on le mettra sur celui-là. Il faudra juste farmer un peu. Je pense qu'on peut même le mettre tout de suite, check. On va aller aux enclumes juste ici. Donc, ouais, on va aller farmer en fond. Je suis vraiment content. Mets la Wither Clear, s'il te plaît. Mon ami, j'oublie. Je suis vraiment content en ce moment, les amis. Le serveur va super bien. Tout le monde a l'air apprécié. Oh, shit. Ça a pu nous coûter nos bottes. Tout le monde a l'air apprécié le serveur et ça me fait énormément plaisir, les amis. Bien entendu, vous savez, on a fait des recrutements dernièrement. On va bientôt commencer à interviewer les gens. Donc, si vous avez posté une candidature, ça se peut que vous ayez des retours de notre part très bientôt. Donc voilà, je voulais juste vous tenir au courant de ça. Ça, c'était tout des P3 que j'avais fusionné mes kits. Parce que j'ai pas joué deux derniers jours, mais j'ai quand même fait mes kits. Voilà, voilà. Donc on va aller fusionner tout ça. On va garder notre pantalon P4 en bas. On a seulement 6 niveaux. Fait que je pense pas qu'on va pouvoir fusionner grand chose en fait. Hein. On met tout ça dans notre C. Puis on va attendre. Dans le fond, il faut aller chercher des niveaux dans l'aine. Les deux pioches ici... j'en ai pas tellement besoin. Par exemple, les deux T5, ça, j'aimerais ça les garder. J'ai 3 points aussi. J'en ai gagné un dans les Lucky Clicks que j'ai ouvert hier. 2, en fait, je crois. Je suis pas sûr. Ouais, 2. Je connais 2 points dans mes 5 Lucky Clicks que j'avais ouvert. Et puis voilà. Donc, ça, c'est une looting. Un livre looting. Ça on peut... Combien ça coûte si on le met sur une des T5 qu'il nous a donné? Fortune 3. Ouh, on va garder une des pioches, finalement. Ouais. Regardez celle-là. Fait qu'on va aller voir combien ça coûte de niveau pour voir à peu près combien il faut en prendre. Mais je pense que c'est ça, on va aller à notre spot à Creeper puis on va farmer là. Les gars, on n'aura pas tellement le choix. Donc, Fortune 3, c'est 17 niveaux. Et puis si on veut mettre ça là-dessus, c'est 21 niveaux. Donc, je me fais un loadout de potions. Je vais mettre tout ça dans ma petite base cachée. Et je vous reprends tout de suite. Les amis, comme à chaque début de vidéo... On fait des conflits. 3000 de conflits. Oh my god, please. Yes! J'ai gagné. Fuck yes. 6000. GG. Oh my god. Yes, sir. On est à 6900. Fait que là, on peut acheter un autre point. So, on va faire market. Il y avait des points en vente tantôt. Pour pas cher, j'avais vu. Attendez, c'est quoi? Oh non, c'est vrai, je voulais y aller pour ce spawner-là à 40 000. Ouh, qu'est-ce que je devrais faire? Morpion. Let's go. On joue un morpion contre lui. Contre QWERTY QC. Il va-tu jouer les coins avec nous? Vous pensez? Ah, c'est clair qu'il joue les coins. On in the fourré. Allez, rip. Bien joué. Ah, tabarnak! Il nous a fourré. Il nous a fourré. Bon, on va faire un petit coin flip. Coin flip. Il n'y en a pas. Coin flip. Create. 2000. Puis on va faire genre. Tails, tiens. Peut-être que quelqu'un va nous join. Donc, attendez un instant. On a encore récupéré notre petite pioche de merde. Les trucs d'or, ça sert à rien. Les potions, on a besoin pour aller là-bas. Les diamants, on va faire des blocs, puis on va jeter le reste. Donc, table de craft. Oh, il y a quelqu'un qui a joué notre coin flip. Est-ce qu'on va être encore chanceux, les amis? Please! Ah, je pense qu'on va perdre cela.
Ah non! On a perdu. Tabarnak de calice de style. En plus, on a perdu contre quelqu'un qui est fucking riche. Tandis que moi, j'ai pas d'argent. Aïe aïe, man. Raton Laveur, il est le plus riche du serveur en ce moment. Shit! There we go. Boum, 3 bullock pile. Super, mes amis. Donc, je vous redis, oh, je vous reprends après. Puis, il y a dit Icon du go Morpion. Moi, je vais lui dire Morpion create 1000. Est-ce que vous pensez qu'il y aura les couilles de rejoindre? On va rejoindre cette game-là. Let's go. Let's go! Je suis con. Oh! What? La requête ne sera plus valide. Résultat. What? Coin flip. Combien il a mis? 13 000. Ah, j'ai pas assez d'argent. Rip. Puis sinon, j'ai combien? J'ai 4 000. Rip. Morpion. Attends, qu'est-ce qu'on a? On va faire un morpion. On va faire un coin flip. Coin flip. Create. 4 000. Oh. On va faire Tails. Souhaitez-nous bonne chance, les gars. Si on le gagne, on va pouvoir acheter 2 points dans le market. Puis avoir. Si on perd, ben on n'aura pas de points, mais c'est pas grave. Parce qu'on pourra quand même vendre peut-être la QCX Floor. On aura 5 clés quand même. En fait, j'ai plein de trucs à faire en ce moment, c'est fou. Commençons par aller dans l'end, les gars. Donc, on va amener ça dans l'end. Puis. Fortune, je vois jamais miner, je vais le jeter, gros. Sorry. P4, ça, on va le mettre sur une affaire que t'as pas. Puis tout ça, bon, voilà. Fait que je vais aller dans l'end maintenant. Farmer les petits niveaux. Voilà. En espérant qu'il n'y ait personne. On va vite fait prendre une potion de speed en cas qu'il y ait quelqu'un. On va perdre sur le côté là. C'est parti mon kiki. Et il n'y a personne. Super. Oh non. Oh yay, max niveau, motherfucker. Bon, je ferme un peu jusqu'au niveau 50, puis je retrouve après. Oh, il y a quelqu'un qui a joined mon coin flip. J'ai dit que personne ne joignait, puis quelqu'un a joined. Oh, please, faut gagner. Yes, on a gagné. Oh, ouf, 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 ouf. Yes, sir, on est rendu à 8000 maintenant. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait pousser notre chance ou pas? J'ai oublié, qu'est-ce que t'en penses, toi? Pousse ta chance, faire tout. Let's go, bonne idée ça, j'aime ça, continue comme ça. Let's go, encore Tails les gars. En espérant que ça nous porte chance et qu'on gagne encore une fois. Oh shit, imaginez qu'on perd. Ben si on perd, on perdra rien vu qu'on sera au même mis qu'on avait au début. Enfin, voilà quoi, mais ça fait chier, c'est sûr que c'est plus le coup de gagner. CF. Juste peut-être qu'il y a quelqu'un qui va join si je dis ça comme ça. 40... Bientôt niveau 40, les gars. Ça va super vite avec l'XP looting x5 dans le fond. Puis en plus, la gunpo. Oh shit, il y a quelqu'un qui a join. Please give it to me. Tabarnak. Il a encore gagné, lui. Chris, il gagne tout le temps contre nous, lui. Donc, on a perdu 4000. Qu'est-ce qu'il nous reste? 4700. Market. Je comprends pas, les gars. Pourquoi ils vendent leur truc contre. What the fuck, c'est bizarre ça. Ok, il n'y avait pas des points tantôt. Ouais, il y avait 2 points pour 10 000. 4600, 4800. On va acheter celui à 4600. Voilà. On a acheté un point. On va le mettre là. On va essayer de récolter plein de... Plein d'argent maintenant pour essayer d'avoir... à partir de maintenant, quoi, après... là, j'ai les 4 points que j'ai besoin. Parce qu'en fait, vous allez comprendre pourquoi j'ai besoin de 4 points un peu plus tard. Parce qu'en fait, on va devoir créer une base, sûrement avec notre faction qu'on va rejoindre. D'ailleurs, j'ai pas encore choisi de faction. Je vais sûrement choisir une faction bientôt. J'ai eu plein d'offres, mais juste que je me connecte... Je joue juste le soir, en fait. Fait que c'est difficile de te connecter en maintenant. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous faire en fait? C'est acheter le spawner au gars qui le met en vente. So, je sais plus c'est qui, je pense que c'est genre Bob ou quelqu'un. Ici, il a mis genre un spawner. Je suis gros. Un spawner Iron Golem, vu que j'ai pas vraiment de Iron Golem spawn. Je pourrais peut-être voir pour peut-être lui échanger contre des items ou quelque chose qu'il aimerait. Parce que moi, c'est sûr que ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir l'obtenir. Un peu fatigué, les amis. Mais bon, voilà.
Donc, bientôt 5 niveaux, puis je vous retrouve. Et bon, je suis niveau 50. Telfor Monkey dit qu'il veut me savoir si je veux join sa fac. Message Telfor. Ok. Je sais qu'il y a des champs et tout, ça on pourra farmer un peu le temps qu'on se trouve une faction. Donc, on va aller au spawn. On va aller faire nos trucs. On a un P2 sur nous. On va pouvoir en fait porter un P4. Est-ce que les gars, ça va faire fucking 10 ans que j'ai pas porté de P4 sur moi dans un serveur faction. Donc on va tout amener ça. Parfait. Et on va amener ça. Puis du diamant en cas de problemos. Donc, d'ailleurs, aux enclumes ici, tu devrais acheter une table de craft juste de même, j'ai oublié. De où ça? Ici aux enclumes. What? J'ai oublié une paire de pantalons là-bas, parce qu'il faut croire. Dans mon nessé, j'ai oublié une paire de pantalons. What? J'ai pas de pantalon P3. J'ai juste une paire de pantalons P3? Pense pas, moi, là. C'est moins en mille maintenant. Merci. Je pense pas que j'ai. Oh, en tout cas, c'est pas grave, là. Donc, en tout cas, voilà. Ça nous fait deux full P4, un spawner spider. Je pense qu'on va le vendre, le spawner, les gars, franchement. Ouais, on va le vendre. On va le mettre. Wow. Est-ce que tu peux lui dire de pas spam le market avec ses blocs d'or d'émeraude, s'il te plaît, sinon tu vas le bannir. Ok, so, un spawner, puis on va mettre 10 000, 20 000, 20 000, tiens. Spawner à spider, 20 000. Bonne offre. Acheter pour la cause, s'il vous plaît. Donc, il y a sûrement quelqu'un qui va l'acheter, j'espère en tout cas. Et puis voilà, sauf pendant ce temps-là, on a un P3 et on a ce plastron-là. So, je pense que je vais faire un coffre caché aujourd'hui, dans le fond, dans l'épisode des amis. Ouais, je vais faire un coffre caché. Ouais, on va faire ça, un coffre caché. Mais avant de faire un coffre caché, on va crafter quelques outils, etc. Je vous laisse. À tout de suite. Yep, donc je reprends ce que j'ai pris dans mon Underchest. En fait, je vais faire une épée en feu looting parce que j'en ai pas. Si on va prendre genre ça plus ça. Ça coûte exactement 21 niveaux quoi. Donc plutôt chanceux. Donc je pourrais en fait pas aller avec cette épée là parce que cette épée c'est une épée c'est vraiment rare les gars. Il y en a plein qui l'ont, vous allez me dire oui, mais c'est une épée qui est dure à avoir. C'est dans les loot chests. Puis vu que je l'ai obtenue moi-même sans faire un échange ou quoi que ce soit, j'y tiens vraiment beaucoup. So voilà. Il nous reste quoi comme livre? Il nous reste du Sharpness 5. Etc. P3, donc ça c'est vraiment un bon livre pour mettre sur une épée. Ça c'est aussi un autre bon livre pour mettre sur une épée, mais on a déjà plein d'épées. So, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va les vendre dans le marché. Fait qu'à tout. Ok, so, yup les gens, j'ai mis en vente dans le fond des stacks de gunpowder. Oh, ils se font acheter par des gens. J'ai aussi mis mon spawner, j'ai mis aussi mon plastron, des livres qu'on m'avait donné, etc. So, j'ai mis quand même pas mal de trucs en vente avec des perles, des trucs ici comme vous voyez. En espérant qu'on puisse essayer de vendre quelques trucs. Il y a des gens qui sont en train d'acheter. On espère qu'on peut vendre quelques trucs et qu'on peut essayer d'être riche ensuite. So, voyons voir, notre balance est à 700, donc on peut voir, il y a des gens qui ont commencé à acheter des trucs. En espérant que le spawner se fasse acheter et les autres trucs se font acheter. Puis, ben moi, je reviens de la faction finalement, la faction de Solo Monde. Fait qu'on va voir avec eux qu'est-ce qu'on a à faire. À tout de suite. So, la séquence intéressante, c'est en fait Telfor qui n'était pas à la base. On va visiter la petite base qu'ils ont configurée. Donc, on peut ici témoigner que ça doit être la pointe de spawn où ce que les gens ont... Oh! Il y a un spawner à un golem. Nous, on est bientôt proche. On est à 28 000. Il y a des gens qui ont acheté notre spawner puis tout. 28 000. Attends, Marquette. C'est qui a acheté mes spawners puis tout? What the fuck? C'est bien bizarre. Shit, toutes mes enfants sont fait acheter. Ils ont dû genre voir iFactions et ils ont tout acheté. Ah, les gamins. Merci, les gars. Ça fait plaisir. So, là, ici, on a un spawner à... Squeletton et araignée bleue. Et là-haut, on a sûrement un autre spawner à zombies. Je comprends pas pourquoi ils mettent des sources d'eau comme ça. Ça a l'air de marcher, mais assez particulier comme installation. On va pas se mentir. Donc, toi, t'as essayé de passer là, ça marche pas. Est-ce qu'on peut sortir d'ici? On peut pas sortir d'ici? Vous avez pas de champ pour farmer monnaie. Oh no, c'est de flûte alors. Affections, oui TP. Colin, c'est bien compliqué leur affaire.
Chris, le gars, en plus, c'est un joueur, il y a deux hommes. C'était homme ici, puis l'autre joueur, l'autre homme, où est-ce qu'il va nous TP? So, tu m'as bloqué. Trolololololol! Ah, ça c'est une farm, c'est exactement ce que je cherchais. Donc, je vais faire un home ici. Cela doit être la place la plus safe, j'ai l'impression. Cette home farm. Et on va jouer avec eux pour l'instant. So, on va visiter. Donc, attendez, on va aller là en l'intérieur. Donc, on a quoi? Des récoltes, des stuff. Comme on peut voir, la richesse est présente. Aïe! La richesse est présente ici, je suis toujours fatigué les amis. En fait, je vais vous expliquer un jour pourquoi je suis toujours fatigué, vous allez peut-être comprendre. Un moment donné, genre, je vais sûrement faire un draw my life pour expliquer un peu ma vie et tout, puis vous allez sûrement très bien comprendre à ce temps-là. On prend un peu de perles, ils ont du diamant, ils ont tout, on va leur donner un peu de diamant quand même, hein. On va leur donner un peu de nos diamants, so, on va rajouter deux blocs de diamants qui sont à nous. On va voir qu'est-ce qu'ils ont, ils sont pas tellement riches. Source d'eau infinie, ok, ça c'est chill. Cool. Ah, c'est une plaque. Je me demandais pourquoi ça se refermait direct. C'est genre... ils ont beaucoup de choses. De la pierre. Oh, beaucoup d'outils. Okidoki. Donc, on a beaucoup d'argent, les gars, pour terminer l'épisode. En espérant qu'on peut essayer d'avoir parti sur une série de victoires. On va faire des conflits à 5000. Heads. Go. CF. 5000. En espérant qu'on peut en gagner un ou deux. FCP. Go CF. C'est CF. J'ai mis au GF. Go CF 5K. Je me suis trompé. Oh! Please. J'ai besoin de 40 000 pour le spawner de la Rengolem. Please. Ah! Pourquoi moi? Let's go. On va rechercher qu'est-ce qu'on a perdu, les gars. Fuck. Pourquoi moi, tabarnak? Let's go, please. Je vais tout perdre encore, je le sens, si je le sens, t'as l'air, oh non, j'ai encore perdu, je pense. Non, j'ai gagné! J'ai gagné. Let's go, encore. Encore. Pussy. Oh yes, let's go, un autre 5000. C'est qui est devant nous? C'est qui? C'est Zach. Zach. Yes sir! Ouf! Oh, il nous manque plus beaucoup les gars! Il nous manque plus beaucoup! On va faire des conflits à 3000 là. C'est quoi qu'il voulait nous montrer? Oh! 3000 les gars, quelqu'un que jeune les gars! On est proche du spawner Arrête Galem les gars, faut pas lâcher! Ciao! Tabarnak! Ok les gars. Je sais que c'est risqué ce que je fais là, mais on va l'avoir les gars. Ok, vous êtes prêts? 10K. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va y aller? Faut que quelqu'un y aille. Faut qu'on gagne. Si on gagne, on a le spawner. Je pense qu'il va nous manquer une pièce. Parce que, attends, si on check. Il était à 40 000. Fait que si on gagne, techniquement, si on gagne, on va être à 40 000, ouais. Attends, what? Ah, il y a personne qui veut join. Join mon... CF, tu sais Oz. Pussy. C'est quoi qu'il veut le montrer? Oh shit, y'a quelqu'un qui a join. 10 000 les gars sur la ligne. 10 fucking 000. Oh non. Yes! Yes, on a spawner! On a spawner! Yes! Oh my god. Yes, les gars. Spawner Island Golem. Yes! On va le mettre bien correctement. Oh! Yes! Woohoo! Oh yeah, baby! Oh yeah! Yes, sir, les gars, on a un spawner Iron Golem. Yes! Fucking content, on pourra faire une farm dans le prochain épisode, les amis. C'était vraiment un bon épisode aujourd'hui, on a fait plein de P4, on a fait, on a fusionné du P4, on a aussi reçu un don de P4, puis on a aussi des dons P3 qu'on va donner à notre ami Telfort, mais un coup t'as plus que moi, hein? XD. Oh oui, bonne idée ça, faites tout péter. Oui, on fait tout péter. Oh fuck, les gars, je suis vraiment excité pour la fin de cet épisode-là. On a passé d'un spawner à Spider,
à un spawner à Iron Golem, les gars, juste en portant nos couilles sur la table. C'était... Oh mon dieu! J'oublie, qu'est-ce que t'en penses? Ok, j'oublie. Il est mort, en fait. Il y a lui qui veut se TP, qui veut qu'on le TP. Il va peut-être essayer de nous tuer. Voilà, on va vite fait changer notre épée d'abord. En celle-là. Oh! Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut nous faire un don pour la tienne? La fin de l'épisode? Je m'éloigne. Peut-être qu'il veut me trap. Peut-être qu'il essaie de me trap. Ça sent le piège. C'est un piège. C'est un piège. Qu'est-ce qu'il fait? Ça sent le piège. Non, 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 non. C'est bon, t'es prêt? Oui. Oh! Dépêche-toi, les items des pubs en 60 secondes, gros. Oh, 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 les gars. C'est ce que j'appelle bien terminer une vidéo, ça, mon ami. On va lui donner un petit coup de fire aspect et on va prendre un petit screen. Merci. Avec des cœurs. Oh, on peut pas taper en combat, on peut pas dire merci. Mais un gros merci, on va prendre un petit screen avec lui. Tchac, tac. Pour son don, pour qu'on s'en souvienne. C'est tout le PD sur Twitter. Non. Oh my god. On est plus en combat bientôt. 9 secondes. Bref, les gars. Un gros merci d'avoir écouté la vidéo. Ça fait vraiment plaisir de voir que vous êtes de plus en plus à rejoindre ma chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, les amis, laissez un pouce bleu. Et on va se retrouver très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous aime. Bisous. Oh mon dieu, j'ai en internet. J'allais presque oublier d'ouvrir les 5 fucking lucky clés. J'espère qu'on a des points. 32 gold apples. On peut pas être tout le temps chanceux, les amis, dans vie, hein, j'ai envie de vous dire. Un spawner. Imagine, on tombe sur un spawner à RNULM. Oh, kit farm. Ça, c'est bon pour des outils. Des hoopers. Kit minerai. Ok, je le prends. On a plus vraiment beaucoup d'espace hein, dans notre truc. C'est quoi la maladie que tu as? Je vais pas vous le dire, les gars. C'est personnel, voyons. Mmh. En vrai, comme j'ai dit, je vais vous en parler un jour, sûrement, les gars. Là, quand je vais faire une vidéo un jour pour vous expliquer qu'est-ce que j'ai eu, qu'est-ce que j'ai. Peut-être que vous allez mieux comprendre. On va garder la looting pour la fusionner, en fait, sur une autre épée. On va garder tout ça pour vendre ça. Tac, tac, tac. Ça, on n'en a pas besoin. Et on va donner le reste à notre base. Jubilee, tu peux arrêter de me sucer les couilles, tabarnak. Tu peux me passer une Nike pour... Quoi? Non, j'ai pas vu. Pomme d'or encore. Fuck! Dernier, please. Donne-moi quelque chose de bon. Please, please. Pas un kit bill pour vrai. Oh, ben, tabarnak. Je vais me pendre. C'est bon. Bon, je vais aller un slash back. Oh non, j'ai pas de home à la base. C'était le fort. Ah oui, j'ai fait un home. Je pense que j'ai fait un home. Home, base ou farm, non? Ouais, j'ai fait un home farm, je pense. On va mettre ça dans la base et puis voilà. Sur ce, les amis, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. C'était Icon. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace!